ce otaku Mestour avec la boutique Isler, si je le prononce bien. En tout cas, en ce qui concerne cette boutique, ça va être vraiment la plus petite que j'ai filmée pour ce otaku Mestour, pardon. Je n'ai pas grand chose à dire au niveau de la boutique. Je n'ai pas du tout eu l'occasion de parler avec les vendeurs, donc je ne pourrais pas te dire grand chose. Tout ce que je vais te dire, c'est de regarder les images, de voir à peu près la taille du magasin, mais sache que c'est vraiment le plus petit de tous. Donc si tu cherches vraiment un titre en particulier, c'est pas forcément la boutique vers laquelle je te dirais de te retourner, mais en tout cas elle est sympa, et puis si tu es dans le coin, bah pourquoi pas. Thank you.
Ensuite, on continue avec la boutique Dreamland. Celle-ci est plutôt sympa, avec pas mal d'originalité. Déjà, normalement, on peut consommer sur place. Alors, actuellement, dans l'état où on est, c'est plus trop vraiment le cas. Mais sinon, on pouvait consommer donc de la nourriture et des boissons sur place. On a un canapé en bas, donc ce qui permet aussi de lire en boutique. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et puis surtout, ça permet de se poser, voilà, de se détendre, de discuter avec ses amis, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. On a un coin Kodomo que tu verras tout à la fin, qui est assez séparé du reste vu qu'il est après au niveau des marches. Tu verras ça par toi-même au niveau des images. En tout cas, le personnel est super sympa et super agréable. Donc je te recommande vraiment vivement cette boutique. Et j'ai vraiment passé un bon moment en étant là-bas pour filmer et en discutant du coup avec le personnel. Thank you.
Thank you.
termine donc cette vidéo avec la troisième et dernière boutique qui est donc la boutique Mommy Manga. Donc tu vas le voir par toi-même, il y a vraiment un choix immense. La boutique est juste aussi immense. Et voilà, donc d'abord on va commencer avec les figurines, les goodies. Et après je vais donc te montrer les mangas. Sache juste un truc, j'ai eu un problème avec mes fichiers vidéo et je ne retrouve pas les bons fichiers. En tout cas tous mes fichiers sur la partie Kodomo sont corrompus. Donc je ne peux pas te montrer le petit coin de Kodomo. Mais sache qu'on avait quand même un bon rayon. Et comme tu pourras le voir au niveau de la vidéo et surtout du temps de la vidéo, la boutique Mommy est vraiment remplie de titres et je pense que si tu cherches un titre en particulier, c'est ici qu'il faut que tu ailles. En tout cas, en ce qui concerne le personnel que j'ai pu rencontrer et avec qui j'ai pu énormément discuter, je te dirais que le personnel est vraiment adorable. Ce sont vraiment des amours et des cœurs sur pattes et je te recommande donc vivement cette boutique. Et sache que en plus, Mommy, donc celui de Metz, s'est agrandi il n'y a pas spécialement longtemps vu qu'ils ont une deuxième boutique. Et que là je t'ai montré uniquement le coin manga, mais il y a aussi un côté bande dessinée slash comics, et qu'il y a aussi un coin, donc qui est la deuxième boutique, qui sont des livres pour les enfants. Donc vraiment un bon magasin avec beaucoup de choix, et c'est ça qui est agréable. Et sachant aussi que c'est l'endroit que où tu trouveras le plus de hentai, en tout cas sur Metz, car ils ont vraiment créé un coin et un rayon spécial hentai, et ça on dira merci au youtubeur Dragmar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
cette vidéo Otaku Mess Tour est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je remercie donc aux trois boutiques qui ont accepté de me laisser filmer leur rayon et leur magasin. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve dès que je peux et dès que, je suis désolée de le dire, mais dès que le Covid aura décidé qu'on pourra le faire, je te retrouverai donc pour une nouvelle vidéo Otaku France Tour. Sur ce, à bientôt.